Il y a tout le monde, c'est endroit à côté de moi, j'ai Tagada. Salut à tous. On espère que vous allez bien et que cette soirée vous plaît. C'est pas fini puisqu'on se retrouve là tout de suite sur Amnesia The Dark Descent. On va commencer une toute nouvelle partie, donc pour tout vous avouer, j'ai déjà joué au jeu il y a très longtemps. Et j'avais pas tenu bien longtemps, je crois que Tagada je t'avais même fait essayer il me semble. Ouais j'avais essayé. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'avait très très vite désinstallé ce jeu parce qu'on avait trop peur. Et du coup on s'est dit bah pourquoi pas pour cette soirée renouer un lien avec Amnesia. Essayer de cette fois-ci de comprendre l'histoire, de plus s'attarder sur l'histoire, parce que peut-être qu'il y en a une bonne après tout, qui sait. Et surtout essayer de bien rigoler. Et je suis en train de penser à quelque chose. T'es en train de penser à quoi ? Non, j'étais en train de penser, est-ce que je gardais le clavier ou est-ce que je prenais celui de l'ordi, mais vu qu'il chauffe un petit peu trop, je vais juste voilà, l'éloigner un peu, parce que là il fait... Il en peut plus l'ordinateur, il se sent plus pisser. En même temps, avec tout ce qu'on lui a demandé pour ce soir. Bon. Ah. Oh. Du sang rose. Du rose... Du sang de Kikoupouf. Ouais. Du sang de Kikoupouf. Donc, apparemment, nous sommes à la recherche d'une Kikoupouf qui est en train de perdre du sang. Du sang rose. Peut-être, vu qu'elle n'a pas eu la dernière mini-jupe à la mode, elle a voulu se suicider. Donc, qui sait. Il va falloir qu'on découvre cela, qu'on résoudre le mystère de la Kikoupouf. Alors, je sais pas bien les touches. Oula, il y a eu un gros lag. Donc, c'est vraiment l'ordinateur, là. Il n'en peut plus. C'est quoi ? Je dois jeter de l'argent dessus. Une boîte d'Amadou. Amadou. Bonjour, il y a quelqu'un ? Ferme la porte. Non, parce que sérieusement... Une boîte d'Amadou. Une boîte d'Amadou. Tu peux aller jeter de l'argent sur la bougie. Ouais, non, mais t'as vu, on aurait dit de l'argent, sérieux. Mais Amadou, c'est peut-être pour allumer. Non, mais il me semble qu'après, j'aurais une... une lampe ou je sais pas trop quoi, donc ça va peut-être me servir pour ça. C'est moi qui est totalement bourré sans avoir bu ou c'est le gars, sérieux? Oh. Maintenant, R enfoncé et dépassé. Bouton droit de la souris pour le lancer. Ouais. Ouh, je crois que ça va être drôle. Donc, est-ce que c'est moi qui suis bourré, Tagada, sans avoir bu ou est-ce que mon personnage a un sérieux problème? Ton personnage a un sérieux problème. D'accord, il s'appelle Daniel. Danou. Donc nous sommes Danou. Et ça, je peux jeter de l'amadou dessus. Daniel, relève-toi. Nous devons trouver cette Kikoupouf. Prenons-la. Oh my gosh, tu lui as arraché la tête. Et regarde. Mais rends-lui sa tête. Non, c'est tu. Mais rends-lui sa tête. Je lui ai rendu. Allez, ouais. Suis la Kikoupouf. Tiens, il y a une armoire là. Tu ça ne m'inspire pas confiance. Si tu veux, sinon on peut rester là. Et on peut parler pendant une demi-heure. C'est aussi faisable, tu vois. C'est... Ferme la porte, va fermer la porte. Bah oui, mais je peux pas courir déjà parce que le gars il en peut plus. Alors qu'y a-t-il là-dedans? Bonjour. Oh, de la madu. Amadou. Et on peut même se cacher dedans. Voilà, donc sinon on peut passer une demi-heure de jeu là-dedans, il y a aucun souci. Non, en vrai je flippe parce que j'ai déjà, pour tout vous dire, regardé des vidéos dessus. Et j'ai vu qu'apparemment il y a un vilain monsieur, enfin un vilain monstre plutôt qui nous suit. Je sais pas quand c'est qu'il va arriver, je sais pas s'il va vouloir moi me suivre. Il y avait suivre. Une autre armoire. Oui, mais bon, je fais les pièces une par une. Hein. Je sais pas s'il va vouloir me suivre. Il y a quelque chose à le prendre. Et c'est vrai que j'ai un petit peu peur. J'appréhende un petit peu l'arrivée de ce monsieur. Tu crois que si j'y lance dans le feu, ça explose? Vas-y, essaye. Ok. Non. Et tu crois que ça crame? Non. Crame! Vas-y, crame. Bon, on va la prendre avec nous. On sait jamais. Si jamais on a un petit coup de mou, on pourra s'asseoir sur la chaise. Hein, on va la prendre avec nous. Qui sait? Peut-être la Kikoupouf aura besoin. Mais bon, je doute qu'elle s'assoie là-dessus. Elle aura besoin de se reposer. Ce peut-être. Ne sera sûrement pas à son goût. Hein, parce que ce ne sera pas au dos. Mais allons-y en balai magique. Montons sur mon Imbus 2000. Attends, je vais quand même refaire un... 2013, s'il te plaît. Ouh là, l'ordinateur, là, c'est des... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Moi, j'aime pas les balais. Toi, dégage, on ne veut plus. Viens, mon Imbus. Non, mon Imbus, du coup, j'ai dit. Un imbis, c'est mon imbis, d'accord? C'est... Ça m'inspire pas cet escalier. Si jamais il y a quelqu'un... Attention! Je suis armée! Il est où mon imbus?
On a un bus. Ah, coquinou, je te cherchais partout. Ah, tu peux le prendre que par le manche, hein. Je peux pas le prendre par le bas. Attention, hein. Dis donc. Tu te caches, je te mets un coup de balai. Je sais pas d'ailleurs si le monstre ou je sais pas trop ce qu'il va vouloir me suivre va pouvoir me faire du mal. Ça, je sais absolument pas. Parce qu'à chaque fois que je regardais des gameplays dessus, les gens partaient en courant pour se cacher. Donc ça m'inspire encore moins. Appuie sur M. Abby. On abuse. Il est. C'est quoi ton truc pour regarder le menu ou je sais pas trop quoi. Tu peux pas regarder un menu. Il y a bien un menu dans le jeu. Je vais faire 2-3 touches. Elles sont rangées où tes boîtes d'Amadou? Ah, c'est quoi? C'est santé. C'était quoi la touche? Donc déjà, il peut m'attaquer le monstre. C'était ou tab. Tu peux peut-être tomber aussi. Ou je peux tomber. On va se dire ça. On va pouvoir tomber et du coup perdre de la santé. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. On est obligé de tomber pour perdre de la santé. Équilibre mental. Claire. Personnellement, j'aurais pas mis Claire comme de l'eau de roche parce que le gars, il est un petit peu... bizarre. Mais bon, je dis ça, je dis rien. On a des boîtes d'Amadou. Ils sont là, les boîtes d'Amadou. L'huile utilisée pour maintenir la flamme de la lanterne allumée lorsqu'il donc y en a plus. Donc on aura plus, une la lanterne peut okay. être utilisée. Ok. Et journal, quota, toutes les notes. Est-ce que j'en ai déjà? Ok. Elle a pas de notes. Okay. Il a pas. Non, il a pas de journal intime, non. Suivez la traînée liquide et trouvez sa source. Mais on sait déjà sa source. C'est une kikoupouf. Oh, mon abus. Il m'attendait. Suivons la kikoupouf. Elle s'est arrêtée contre le mur. Pour pleurer. Non, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Nous n'avons rien contre les kikoupouf. Hein. Enfin, si, un petit peu, mais bon. Là, elle a fait... Non, elle s'est assise sur la chaise. Non, ça ne plaît pas, Rose. Ça ne plaît pas. Puis du coup, elle a renversé la chaise. Tu vois. Là. Je sais pas, j'aime bien balancer les objets. Je pense que je vais beaucoup aimer ce jeu. J'adore les... Oh. On entre dans la bûche. À quelqu'un. Ouh putain. Je lui ai pété la tête. Tiens. Headshot. De Nimbus. Wesh. À chaque fois ça me fait peur quand il y a des petits squelettes. Enfin des squelettes. Je suis désolée, désarmés. L'ordinateur il ralentit, mais en même temps c'est vrai qu'on a pas mal enchaîné les vidéos parce qu'on a eu pas mal de problèmes pour ce hors show. Je peux me cacher dedans peut-être. On a vraiment eu pas mal de problèmes. Entre des moments assez drôles. Bon il veut pas souffrir, bah va te faire foutre hein. Entre des moments très drôles sur des jeux qui ne marchaient absolument pas avec des monstres qui ne voulaient plus m'attaquer, hein, tu te souviens? Oui. Ça, je vous la mettrai en vidéo bonus, je sais pas, ça se trouve elle est déjà disponible, je sais pas du tout quand c'est que je pourrais m'en occuper. Donc on peut se cacher, en plus c'est sérieux. Donc je pense que ça peut être drôle, tu vois, genre, il y a quelqu'un? Attends, non, c'est pas la bonne porte, hein, ça le fait pas. Il y a quelqu'un? Non. Il y a quelqu'un? En fait, tu peux jouer à cache-cache avec le monstre, je pense que ça va être pas mal drôle. Mais je vais y fermer, parce que sinon ça va me faire peur, j'aurai l'impression que c'est quelqu'un qui est passé là. Donc, la traînée rose va par là-bas. Et donc, tu me connais assez bien, Tagada, pour dire « Ok, je vais aller par là !» Et y a rien. Des chaises à balancer contre les tableaux. Oh là 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 là. Ah d'accord, en fait, avant chaque truc comme ça, tu vois, qui sont censés faire peur, l'ordinateur... Attention, lorsque vous êtes dans le nord, votre équipe mentale en sera peu à peu affectée. Animé toutes les lumières disponibles. Ah, mais t'avais une bougie, c'est pour ça que c'est éteint. Vas-y, rentre. Non, mais vas-y, j'y retourne pas, moi. Je reste dans le noir. Hein. Oui, donc je disais, ça va être drôle si avant chaque petit screamer, entre guillemets, l'ordinateur nous fait un gros ralenti. Donc, comme ça, pour bien nous prévenir. En même temps, je l'aime cet ordinateur, il me connaît très bien. Marchons sur la poutre, faisons de la poutre. Bon, allons là-bas. Une porte rouge, vieille archive. Ouais. Mouais, mouais. Voyager vers Dover, supposé un passage par Canterbury. Il s'assura d'y rendre une visite à sa famille pour éviter de se sentir coupable. Ok. Ok. Bon, 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 bon. Ah, la kikoupouf. La kikoupouf est toujours là. Elle continue son petit chemin à la recherche d'objets roses. Des livres, est-ce qu'il y a un memento dedans? Non. Ouais, des journaux intimes? Non plus. Ah, il me faut lumière! 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 Ah, on va rester là. Est-ce que j'ai été affectée? Je pense quand même. Un léger mal de tête. Alors moi, j'aurais pas dit ça. Hein. J'aurais dit, a besoin d'un psy d'urgence. D'antidépresseur. À mais fond. Bon. Ah, mais là, t'es de retour dans le noir. Fais gaffe. Bah ouais, mais je suis bien obligée d'avancer aussi, tu vois. C'est... Bonjour. Oula. Il y a quelqu'un. Il y a de l'eau.
Ma mise. C'est de l'eau, hein. Je pense pas que l'eau... Là, t'es dans le noir, hein. Fais gaffe, quand même. Je pense pas que l'eau, d'un seul coup, va m'attaquer. Fais gaffe, t'es dans le noir, ta santé mentale, elle est en train d'en pâtir. Bah, je sais, mais bon, il faut bien que... Voilà, tant pis. Écoute, de toute façon, moi, ma santé mentale à moi-même ne va pas très bien. Donc je me venge sur le personnage, on va dire. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Allez, j'ai mal de tête et tout est ok. Est-ce que je vois une lampe? Rien, y a rien, y a rien, y a rien. T'es dans. Ah, la kikoupou. Attends, on va se mettre là. Lumière. Je crois que je me suis dit, j'aurais peut-être pu casser la fenêtre. Là-bas, il y a l'air de rien à voir. Il faut vite que je trouve de la lumière. Lumière, lumière, lumière. Lumière, en plus, il y a des événements et tout. Oh, lanterne, lanterne, lanterne. Oui. Ouais. Ouais. Oh, des cadeaux. Amadou. Je peux pas le refermer, tant pis, voilà, j'ai voulu être poli, hein, refermer le coffre après avoir fouillé dedans, mais je n'ai pas pu. Alors ceci n'est pas de ma faute, je tiens à le préciser, si jamais il y a un monstre qui m'écoute, on va éteindre la lampe. Je sais pas si un raccourci pour la lampe, ce serait cool quand même parce que... Lanterne, lantern, L. Ok, je vois plus rien. F pour l'allumer. F ? Ouais. Ah ouais, pratique. Merci Tagada. Heureusement que tu es là. Il y aurait pas un peu d'huile qui... Pourquoi tu trembles ? Parce que le monstre va arriver. Mais non. Oh, je pensais que t'allais pouvoir l'ouvrir. Je me prépare, moi tu me dis, il y a un monstre, il va arriver, t'as cru que j'allais rester les mains vides ? Oh, ça me fait de la peine, je vais pas allumer ça. Est-ce qu'on peut faire cramer des trucs là-dedans? Ça, par exemple. Genre, tu sais, le feu, comme ça, il sera plus fort et tout. Bon, il faut quand même se concentrer. Pas dedans. Faut quand même se concentrer peut-être un petit peu. Oh, un imbus! Amadou! Amadou. Oh, tapis volant. C'est une blanche de bois. Ah non! Une blanche de bois. Prince. Une blanche de bois! Tu te rends compte? Une blanche de bois. Non, c'est un tapis volant. Non, mais une blanche comme Bernard. Une blanche de bois. Ah non, mais t'es chelou, je sais. Ça m'étonne même plus en venant de toi. Attends, j'avais trouvé un imbus. Ah. On a la télé en même temps allumée. Juste en face de nous, il se passe des choses bizarres. Tagada vient de nous montrer. C'est vrai que c'est assez bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi le truc sur le bureau, là? Personne. On va attendre là-bas. Ça. De l'huile! Ah, c'est pour mettre dans la lanterne. Trop bien. Ouh! En fait, faut double-cliquer dessus. Ouais. Ok. C'est quoi? On n'a pas pu voir. 19 août 1839. J'aurais aimé te demander ce dont tu te souviens. Je ne sais pas s'il me restera grand-chose après avoir bu cette boisson. N'aie pas peur, Daniel. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais sache que j'ai choisi. Je choisis d'oublier. J'essaie de trouver le réconfort et la force dans ce fait. Il y a un but. Tu es ma dernière chance de pouvoir remettre les choses en place. La note de Daniel à lui-même. Ben oui. Si Dieu le veut bien, le nom d'Alexandre de Prenbourg évoque toujours de l'amertume en toi. Si ce n'est pas le cas, ce QC va te sembler horrible. Va au sanctuaire intérieur, trouve Alexandre et tue-le. Son corps est vieux et faible et le tien, jeune et fort. Il ne pourra pas te résister. Mm-hmm. Coup de tête balayette, manchette-moi ton Alexandre. Une dernière chose, une ombre te suit. Super, c'est un cauchemar vivant. Super, défiant toute réalité. Super, mais il est génial ce gars. J'ai tout essayé, il n'y a pas moyen de se défendre. Encore plus super. Tu dois y échapper aussi longtemps qu'il te sera possible. Daniel, rachète nos deux âmes. Descends dans l'obscurité où Alexandre t'attend et tue-le, ton ancien toi, Daniel. Donc en fait, résumons. Daniel, il sait qu'il y a quelqu'un qui le suit. Apparemment, il en veut Alexandre. Mais du coup, il a dû voir le monstre et du coup, il s'est dit « Oh, il est horrible !» Du coup, je vais boire une potion qui me fait tout oublier. Il a oublié, mais il a écrit quand même une lettre. Du coup, là, on se retrouve à Daniel, mais pourquoi il est là? On sait pas. Du coup, ses souvenirs lui ont fait quand même revenir là. Il a lu la lettre que lui, il avait écrite il y a pas très longtemps de ça, juste avant d'avoir bu la potion qui lui a fait tout oublier, qu'il allait revenir là.
Et puis voilà. Et maintenant, puis, il est à la recherche d'une kikoupouf. Et maintenant, on sait qu'il y a un putain de monstre. Vas-y, t'es où? J'ai pas peur. C'est la kikoupouf, en fait. Le monstre. Voilà. T'as tout compris. Oh! Et tu peux crever les yeux du monstre. J'ai vu des éclats de verre. Vas-y. Sérieux? Promis? Non. Ah. Oh. Ah ouais. Viens me battre. Pour péter les roues de sa bagnole d'abord. Ouais, je vais te péter tes roues de ton scooter. Et je vais te piquer ton casque. Ta bicyclette. Alouette. On dirait des saucisses de Strasbourg, les cafards. Il tomba sur le sol de la cuisine. Des larmes commençaient à remplir ses yeux alors qu'il recevait le premier coup de pied dans son estomac. Ouais, il commence à pleurer. Axel resta caché, par peur d'être elle aussi punie. L'histoire est super bien écrite. Vraiment, ça m'étonne. Et je commence à bien kiffer ce jeu. Pourquoi ils m'apprennent à courir? Lol. Non, franchement, je commence à bien kiffer ce jeu, même si je flippe assez, mais j'essaie de me rassurer en disant que le monstre, je le verrai pas. Il y a eu un ralentissement. Pourquoi? Pourquoi? Qui est là? Faites attention, hein, je vous surveille. Non, c'est eux qui te surveillent. Non, c'est enfin, moi. Eux, non, lui, mais arrête, elle. Franchement, j'ai peur qu'il soit derrière moi, en fait. Toi, genre, là, il va... Bah Teletubbies. Abby. Stinky Winky. Tu as été à la raffinerie, n'est-ce pas? Mais qui parle à qui? Mais qui parle? Ah, il parle de Daniel. Oui, c'est moi. Daniel, bah il parle de toi. Brennberg. C'est bon? On peut partir à la chasse de la Kikou? Bon. Tiens, vas-y, va essayer la Allons porte. Par là. Là, c'est quoi? Oh, de l'huile et de la madeleine. L'huile et oui, donc, je crois que j'ai pas eu le temps de parler parce que j'ai eu le ralentissement et après la cinématique. Donc, ce jeu, je commence à le kiffer et je crois vraiment que... Enfin, ça dépend, en fait. Pour l'instant, j'ai pas vu le monstre, donc ça va. Donc, peut-être qu'après, je dirais pas pareil. Mais pour l'instant, c'est vrai que je compte en faire beaucoup plus d'épisodes en CMC de ce jeu parce que vraiment il me plaît. Il est bien écrit. Vas-y, essaye d'ouvrir. Non. Bah, si, c'est. Imagine, je fais venir le monstre. La porte elle est trop grande. Je suis désolée, s'il y a de la place pour un ou deux monstres. Alors moi je n'ouvre pas, il se démerde. Il a qu'à toquer. Il a qu'à toquer? Il a qu'à toquer à la porte. Qui? Bah, le monstre. Quoi? Non, rien. Laboratoire. Ouh, ça m'inspire moins quand même. Cave à vin. Va d'abord dans le laboratoire. Laboratoire? Ouais, ça me... Moi, ça me rassure mieux. Bon, je t'écoute, mais à chaque fois que je t'ai écouté, ça m'a porté malheur. La porte claqua violemment derrière lui. Il savait qu'il ne reverrait plus le vieux tailleur de Berkeley Square. D'une certaine façon, une autre âme solitaire à Londres semblait adéquate. Oula, j'ai fait clic droit, non? Où suis-je? Faut que t'allumes, là. T'as une boîte d'amadou. Amadou. Y'a quelqu'un? Saute pas, parce que tu vas perdre de la vie, ouais, peut-être. C'est vrai que le monstre peut pas nous toucher. Et on peut perdre la vie quand on meurt. Ne l'oublions pas. Abby, c'est bon, je m'en vais. Ah non, allez. Il y a quelque chose, il a fait pipi. Il y a eu un ralentissement. C'est les cafards. Où êtes-vous? C'est les saucisses de Strasbourg. Allez. Là, il y a une lampe. En fait, je me dis, tant qu'il y a de la lumière, il pourra pas me toucher. Je sais pas, ça doit être sûrement très con. Et ceux qui connaissent Amnésia se disent, il y a de l'espoir. Mais j'ai l'impression, tant qu'il y a de la lumière, il va pas venir. Alors là, genre l'endroit qui inspire, mais pas du tout. Oh, on va déjà fouiner par là. Hein. On verra. On va essayer de s'équiper d'une arme approximative pour descendre là-bas. Bon, j'en ai marre, là. Et Daniel, il va pas bien. Un léger mal de tête. Amadou, là. Non. Ah non, un caillou. Oh, trop bien. Comme ça, j'ai une arme en main.
Ouh, une arme. Oh. Putain, j'ai fait un raccourci. Trop bien. Gagne-moi ça. Putain, je suis trop la meilleure. Et du coup, peut-être qu'on peut monter ailleurs. Mais non. Non, sérieux, ça, c'est peut-être pas con. Non, non, mais peut-être parce qu'ils m'ont mis plein des trucs comme ça. Donc peut-être que du coup, je peux monter ailleurs, en fait. Faudra bien que je regarde. Des fois. Je sais pas, peut-être qu'il y a des sortes d'énigmes. Qui sait. Peut-être. Ce serait trop bien qu'il y ait des énigmes et tout, putain. Genre, tu sais, t'as un monstre qui te poursuit et tout, et tu dois résoudre... Et tu dois résoudre une énigme en quelques secondes. Bon, allez, allons-y avec un tonneau, je sais pas. Attends, je vais allumer ça. Voilà. Il te reste combien d'amadou? 5. 5 amadou. Amadou à ma guise. Allons à la lumière. Mais il y avait un truc à allumer. Ouais. J'ai peur. Il devrait y avoir plus de cuprites. Ok. Et une part d'eau forte. Ok. Bon. C'est quoi ça? C'est quoi? On dirait un vortex. Tu crois que la kikoupouf est dedans? Je pense pas vraiment. C'est un drôle endroit pour une kikoupouf. Bim! Un drôle d'endroit. Là, il y a une boîte d'amadou sous l'étage. Bim! Où? À gauche. Là en haut. Oh, amadou! Ça, c'est quoi? Oh! Amadou! Il y a d'autres amadou. Non mais là il y a une grande porte là. Ah, pas d'amadou. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jour je reviendrai, si ce n'est pas pour toi mon amour, je ne pourrai pas continuer. Quand je dois faire des choses terribles, je pense à toi pour me réconforter. Tant que je peux penser à toi et espérer une vie à deux, je sais que je suis bien meilleure que les autres. Je pleure pour eux. Ils ont une ambition sans limite dans leur quête du pouvoir, alors que moi je ne veux qu'un jugement qui soit juste et un retour assuré. Yeah. C'est qui parle à qui, tu vois, ce serait bien de savoir. On va éteindre la lampe. Parce que là, j'ai vu, il y avait une lumière. C'est quoi le gros truc, là? Flacon de chimie. Chimique. Et là, il y a une note. Dernière expérience alchimie. C'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et l'opimante, je sais pas, sont une garantie et la cuprite les maintient bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutilisable, sauf pour servir de détergent. Le tissu organique réagit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre l'espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Ok. Pourquoi il y a eu le tremblement de terre? Enfin, il y a eu un tremblement de mur, plutôt, parce que j'ai vu que le mur... Que le mur tremblait. Ça, on sait pas ce que c'est. Oh, de l'huile. Ça, c'est bien. C'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est très, très bien, même. D'ailleurs, je suis contente parce que j'ai pas trop utilisé... Je vais allumer ça. J'ai pas trop allumé ma lampe et j'en suis bien, bien contente. Cassez les couilles, les tremblements de terre, là. Déplacement du laboratoire. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave à vin. Donc il va falloir aller dans la cave à vin. Ok, et ça c'est quoi? 4 produits chimiques différents sont nécessaires pour continuer. J'en ai qu'un seul. Et ben vous savez quoi, pour cette fois-ci on va s'arrêter là pour le petit horror show parce qu'on a encore pas mal de vidéos à tourner et c'est vrai qu'on a fait que 25 minutes mais je pense que c'est assez suffisant parce que là si je rentre dans une autre pièce il va y en avoir pour une dizaine de minutes voire plus s'il y a le monstre dedans. Et j'espère que ce petit épisode vous aura plu, en tout cas il va y en avoir beaucoup d'autres sur Amnesia je pense, j'en suis pratiquement sûre. C'est vrai que ce jeu nous plaît. Il me plaît énormément, il me fait penser à des jeux d'énigmes et c'est vraiment super bien, enfin j'ai pas vu le monstre, c'est pour ça que je dis ça je pense.
En tout cas, on vous dit à tout de suite pour le dernier épisode du Aurore Show. Ciao tout le monde. Ciao.